Alors, bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec Q. Voilà. Alors les amis, on est sur le serveur Various Artists. On va rejoindre tout de suite l'admin qui m'attend, qui nous attend à l'entrée de la ville. Donc déjà pour toute information et candidature, je vais vous montrer son lien, c'est team-va.com. Hein, donc vous pouvez aller sur je vous laisse 2 minutes recopier ça pour aller faire un tour et voir par vous-même tout simplement. Vous renseigner, puis là on va vous faire une petite visite. Donc on va aller vers Athènes. C'est parti. Ah voilà Q et voilà Bird Fang Fang. Excuse-moi, j'ai encore écoché ton prénom, ton pseudo, pardon. Appelle-moi Bird, toi, ça putain. Ouais, Bird, exactement. T'es où, Q? Tu viens? Donc vas-y, présente-moi un peu ton lieu de vie qui a l'air sympathique. Hein. Il y a quelqu'un qui a vomi de la cobble. Excuse-moi. On est un serveur d'accord multigaming qui font plusieurs jeux, plusieurs différents jeux comme WoW, Trackmania, etc. Ouais. C'est des villes à thème qu'on a sur le serveur. C'est-à-dire que là, on est à Athènes, la ville du spawn. Ouais. Et elle est majoritairement en sandstone et en lapis. D'accord. Oh putain, donc là, on débouche. Ça fait toujours le même effet, tu vois. Ça fait 2 fois que je passe ou 3 fois que je passe devant et c'est toujours aussi joli. C'est imposant quand même. Petite construction là. Oh, donc on débouche directement sur le Parthénon. D'accord. Qui est assez impressionnant. Ouais. C'est sympa les colonnes avec l'eau qui coule de chaque côté comme ça. C'est original. Je t'invite à venir voir une pièce que moi j'aime bien. Et tu es où, Q? Parce que je t'ai perdu de vue là. Derrière. J'arrive. J'arrive. Ouais, c'est super joli ce. Alors vous y faites quoi là-dedans? C'est une style d'arène de sacrifice, hein. Vous plantez les gens, vous les faites saigner. Oui voilà, non. C'est juste une salle de décoration pour meubler. Non, c'est super joli, ouais. Petite idée de lustre comme ça. De la glowstone qui fait mi-éclairé comme ça, mi-enterré entre de la. Comment ça s'appelle, Q? Je me rappelle plus. De métal. Voilà, voilà, merci. Bah écoute, on te suit. On te suit. Donc on a un système d'économie avec des métiers comme assassin, tueur à gages, ingénieur en redstone, cuisinier, etc. D'accord. Et tout ça se fait. On accède à un métier par candidature sur le forum pour D'accord. pouvoir tout regrouper, etc. Ouais, donc c'est bien. Tout est classé, non. Tout est. Par exemple, quelqu'un qui veut venir te rejoindre aujourd'hui, est-ce qu'il peut aller sur ton forum et par exemple, voilà, je veux postuler pour être boulanger directement ou il est obligé de faire une candidature avant de choisir un peu ce qu'il pourrait faire ou. Je me demande pourquoi t'as choisi boulanger. Il fait une petite candidature sur le forum, enfin, petite. Voilà. Et un admin va se charger de lui accepter ou de lui refuser son métier. Ouais. Et donc. Excellent. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu fais pipi ou quoi, toi? Je suis. Tu fais pipi, petit coquin. Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de polluer le premier serveur qu'on visite? Tu fais chier quand même, merde. Tu m'as balancé. Fais pas, voyons. Tu m'as balancé. Ici, c'est la banque où on peut vendre ses minerais. D'accord, alors je regarde un peu les panneaux. Ça permet aux nouveaux joueurs de se faire un peu d'argent. D'accord, excellent. Pour pouvoir s'acheter des parcelles, etc. Admin Shop. Ouais, c'est à économie à gogo. Avec, ouais. Vous avez le plugin Chest Shop, c'est ça? Et voilà. D'accord. Sympa, vraiment sympa. Petite banque, là, ça donne envie de péter toutes les glowstones à l'arrivée, tu sais. Ta 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 ta. Franchement, oui. On est pas sur mon terrain. Et c'est un mini Parthénon, la banque. Enfin, c'est un. Parthénon. Parthénon, ouais, pardon. Ouais, sympa, c'est gigantesque. Ça représente bien Athènes, de toute manière. Hein. C'est le thème de votre ville. C'est bien ça, on reconnaît Athènes presque. Désolé, je vais pas aller voir de mes propres yeux comment c'était, mais. Selon les livres d'histoire, ça ressemble. Donc, là-bas au loin, on peut voir le phare d'Alexandrie. Excellent. Vas-y, on te suit. Enfin, bouge pas trop vite avec ta rapidité flash, parce que je te paume à chaque fois. Phare d'Alexandrie, excellent. Les petites maisons, c'est tout ça, c'est des maisons habitables par les gens? Ou c'est des magasins certains?
Il y a certains magasins, mais la plupart, c'est des maisons achetées par, je crois, un autre. D'accord. Petite ferme à champignons, les amis, regardez ça. Ouais, c'est carrément un stand ici. Ah, j'ai C'est bien des fait. champignons hallucinogènes, ils doivent s'éclater sur le serveur là. Ici, là, c'est un stand, en fait. Vas-y, vas-y, on te suit. Donc c'est quoi ça? Une shop. Responsable de fleurs. D'accord, c'est parti, on te suit. Tu viens? Oui, 2 petites secondes, je vous rejoins tout de suite. Petit bateau, sympa. Avec le phare, on peut monter en haut pour... Bon, écoute, je vais Pour juste. avoir une... Aïe, c'est qui m'a frappé là-haut? Attends, moi je vais juste rentrer leur montrer le petit serpent que j'ai vu tout à l'heure, là, vite fait. Parce que c'était sympathique au milieu de l'eau, comme ça, on s'attend pas à trouver un truc comme ça. Enfin, on s'attend pas à trouver un truc comme ça. On s'imagine pas qu'il y aurait une statue comme ça sympa. La mythologie grecque. Dis-moi, où es-tu, Gérard? Moi, je suis en train de grimper le phare parce que je voudrais faire juste une vue de globale. D'accord, bah je te rejoins. En Donc là, évitant de me faille. voilà, regardez, petit pigeon, comment tu m'as dit que c'était? C'était l'emblème du serveur, l'emblème de la ville, ça là-haut? Merci, Ben. Ah, voilà, c'est le pigeon national. Le pigeon national, hein, avec la petite vue du Panthéon, excellent. Et là-bas en bas, vous Et avez là-bas, l'espèce de. le téléphone. Ouais, c'était supposé. C'est quoi le délire de ce truc en fait là? C'est qui a eu l'idée de. Ah oui, joli. C'était une amine qui n'est plus là et qui a fait plusieurs pixel art un peu partout dans le serveur. Sympa, vraiment sympa. C'est bien fait en plus. Ouais, ça fait genre serpent de mer, quoi. Ça fait C'est bien foutu, ouais. hydre de l'air. Donc voilà une Quoique, petite non, vue. de l'air, on avait un peu plus de tête, mais. T'as pas un poisson qu'on a lui donné à manger? C'est toi qu'on va donner à manger. Non. On va jeter Gérard. Hop là, je suis presque en bas. Tac. Ah, vous descendez carrément. Moi je redescends, après je sais pas ce que vous faites, vous, je voulais. Bah écoute, moi je vais aller manger un sandwich. Hein. Moi j'ai pas osé me suicider comme la dernière fois, parce que je me suis éclaté les deux jambes, ça fait mal quand même. Ouais, surtout après c'est cher l'opération, quoi, parce que. Exactement. Petit budget. D'accord, et on en a fini avec Athènes ou pas là? Merci de la téléportation, j'ai eu un petit. Oui, donc là c'est les. Après on a plusieurs quartiers de luxe, etc. sur Athènes, donc. Ouais. Et moi j'ai une noire, bien Donc, où nous emmènes-tu maintenant? On va aller à Eldoras, la ville forestière. D'accord, c'est parti, je te suis. Il est où, Q? Moi j'ai pris une Il est passé par nous. T'es encore en train de pisser derrière un poteau, toi, tu fais chier, hein? Mais faut pas le dire. Rien faire bouffer par le Léviathan. Ah vas-y, j'ai envie d'aller voir de plus près, voir à quoi ça. Attends, je vous rejoins. Alors, explique-moi un peu mieux la fonctionnalité de tes plaques parce que j'ai encore rien compris tout à l'heure quand je suis allé dessus. Je vais une fois dessus, ça me téléporte. Basta. Oui, voilà, elles sont reliées par rapport à d'autres portails. Et les blocs, ils n'ont aucune signification, c'est juste pour pouvoir s'y repérer. C'est super pratique, il faut dire. J'aime beaucoup. Ça évite les gars foireuses. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Beaucoup. Toi, à chaque fois, au prochain serveur qu'on ira, Q t'emmènera un rouleau de PQ, comme ça tu seras tranquille. Si seulement ça existait. Franchement, j'ai. Alors là, nous sommes à comment s'appelle Eldaras? Eldora. Eldora. Eldoras, la ville forestière, tout en bois d'ailleurs, les amis, hein, avec des jack-lanternes. Immeubles à mi-hauteur, maisons, petites fermes, j'imagine, tout ça, non? Vous cultivez par ici? Oui, voilà. Enfin, ici, c'est un coin un peu plus tranquille, quand même. Ouais. Que Athènes qui est complètement full avec 90 parcelles. Ah oui, quand même. Oui. On a eu le moment de pub Minecraft.fr, donc il a fallu assurer là-dessus. Tiens, tu m'étonnes, ouais. Alors, direction paintball. Ah, vous avez un paintball. Ouais. Au niveau des plugins, vous avez quoi ici? On a de quoi protéger, comme World Guard, etc., à économie. Je vais installer le plugin Faction et Tonic qui va permettre de faire des guerres entre Ouais. villes sur un nouveau world en parallèle.
Donc là, c'est une petite rivière. Petite rivière qui monte, ouais, c'est ce que je regardais tout à l'heure. Ouais. Enfin, qui descend plutôt, elle vient de... Sympa. Oui, c'est vrai que ça, c'est moi qui viens de la rivière qui monte. On n'est pas dans le Tomek. Enfin, pour ceux qui connaissent, le livre qui n'est pas très connu du tout. Jolie petite cascade. Enfin, cascade, fontaine. Vous qui s'appelle Tomek, là, on ne vient pas inverser. Bon, j'arrête leur sujet. J'arrête leur sujet. On va s'en aller parce que Q va avoir envie de pisser avec l'eau là. Ouais, ah ouais. Et là, c'est quoi? C'est la mairie? Mais voilà, c'est une petite mairie. Je prends mon travail d'hôtel. La réceptionniste. Sympa. Vous aimez bien les espaces ici quand même. C'est. Le bureau de la réunion. Alors, c'est qui qu'on va bannir aujourd'hui? C'est qui qu'on va mettre au trou? C'est qui qu'on va saigner? On va bannir Kyo pour dégradation. Ouais, voilà. De fontaine publique. Non, c'est sympa, franchement. Petite mairie gigantesque, petite salle de réunion, salle banquet. Hein. Petit réfectoire. Réfectoire, ouais, presque. Mais c'est écrit devant, en fait, réfectoire. C'est sympa, le. T'as vu l'idée d'avoir mis des. En plus, c'est bien parce que ça disparaît pas, ces conneries de feuilles quand tu les mets, tu sais. Ouais, sur du bois. C'est sympa l'idée, là. Quand tu les mets en mode transparent, mais. Alors, petite bibliothèque. Avec des bugs d'ombre. Enfin, pour moi, en tout cas. Aussi. Il y a écrit quelque chose, attends. Non? Ou je rêve? Si, il y a écrit quelque chose. L ou K? T? Il y a écrit Q. Q, c'est le meilleur. Regarde. Oui, il y a écrit quelque chose, mais j'arrive pas à distinguer. Ah oui. Ah, c'est... Ok. Sympa. Du coup, j'avais jamais appris la minute de déchiffration ou déchiffrement ou déchiffrer des lettres. Voilà. Excusez-moi, je suis fatigué ce soir. Je te l'enregistrerai, les chiffres et les lettres, si tu veux, tu le regarderas. Non, c'est bon, je l'ai vu tout à l'heure. La mairie est assez grande quand même. Donc, un étage en S, j'imagine, vous l'avez faite en 2001. Ça fait un cercle, quoi. C'est un demi-cercle, la mairie. Voilà, c'est un arc de cercle. Sympa. Petite tour de garde, à mon avis, où il y en a 4, non, j'imagine. Ou à chaque coin de stratégique, il doit y en avoir une tour. Il y en a un peu partout. Il y en a... Une là-bas, une, deux, trois, quatre. Ouais, vous êtes... 5. Il y en a une derrière, là-bas. Sympa. Et il est encore sous l'eau. Ouais, t'as raison. Pisse dans l'eau, ça se verra pas comme ça. Moi aussi, je vais le faire. Allez, hop. On va se faire une petite aquaway, c'est par là qu'on part. La ville de nuit. Prendre un bateau. Écoute, on te suit. Enfin, si vous retrouvez l'île, hein. Les égouts donc, par là Je fonctionne par TP, donc j'ai un peu de mal à me retrouver là. D'accord. Et en fait, il y a quoi derrière ce tunnel? Ah, il y a rien. Il est encore sous l'eau. Un cul. Je crois que c'est le seul joueur à vouloir visiter les tunnels. C'est là qu'on peut cacher son coffre à diamants. C'est un malin, il a l'habitude, c'est un pilleur, faut faire attention à lui. Ouais, enfin, mais non. Voilà, je vais pas avoir confiance en moi. C'est le phare de la... C'est un phare, c'est quoi là-bas le truc éclairé là? C'est un point de rendez-vous? La tour là-bas avec le feu dedans? Ou c'est Athènes que je regarde. Il faut y avoir de feu. Il faut devait pas y avoir de feu. Non, je sais pas si vous le voyez, vous. Tout le village qui est en train de brûler. Il y a un truc en train de brûler là-bas, ouais. Non, je vois pas. Moi non plus. Bah si, c'est la tour avec le... Mais à mon avis, ça doit être Athènes. C'est Athènes qui est là-bas, non? Je vois. Non, là, c'est l'hôtel des métiers à côté d'un... du temple. D'accord. Donc ici, il y a les métiers qui sont recensés avec les joueurs. Et c'est quoi cet endroit là que... Oh là, j'ai fait un peu, je suis tombé dans le vide. Attends, parce que je sais plus où il est. Il est là, t'es là, je t'ai retrouvé. D'accord, c'est vraiment sympa. Ok. Que m'arrive-t-il? Une petite ferme qui pousse là-haut.
hop, petite ferme de bambou. Donc on te suit. Enfin, je sais pas si... Enfin, je te suis. Je peux tuer, Q, toi. T'es encore sous l'eau, quoi. Non, j'en trouve pas, là. Je cherche un point d'eau, un petit point d'eau. J'ai essayé de vous trouver le dragon, comme... Autant qu'il a regardé... Tant qu'à faire, autant regarder les pixel art. Ouais, vas-y, vas-y, pas de soucis. Je te vois, Gérard. Je vais vous TP. Moi, Gérard. Ah non, 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 c'est pas Gérard, c'est un squelette, ok. Oh oui, j'aime beaucoup. On peut monter dedans. Je sais pas si vous voyez comme moi, les amis, mais il y a un joli dragon rouge là devant moi. Qui est énorme, avec des zombies d'ailleurs. Avec nos copains oui, en face. Il y a des zombies, un squelette dessus. Merci bien. Ça risque pas de mettre le feu si les zombies s'enflamment. Ah oui, quand même, wow, je l'avais pas vu comme ça. Ah oui, il est super bien fait même. Waouh. Est-ce que ce serait possible de monter dessus? Oui. Waouh, super bien fait. Moi, je vais me reculer un peu pour le prendre un peu mieux. Là. Merci. Ah oui, carrément, ouais, c'est vraiment bien reproduit quoi, deux têtes en plus. Il y a même il y a même le cube pour les langues, tu sais. Excellent. Ah, je suis sur le dos. Je me disais où elles sont les têtes là. Wow. Une petite chimère dans le ciel. Ouais, ah ouais, j'aime beaucoup. Encore un peu et je m'étale les zombies. Petit creeper, vilain, viens là. Je te tue. Il pète pas, j'imagine, les creepers. Ah, si. Excellent. Gérard, tu viens de détruire un pixel art. Bah, écoute, on te suit. Vraiment bien foutu, en tout cas. Sans vouloir te déranger, mais... Je suis mort, en fait. Et là, on arrive sur l'hôtel des métiers. C'est ça qu'il y a là-bas au fond, le phare qui brûle, là? Ouais. Bien. Yeah, merci. Bon, ça fait deux fois que je meurs quand même déjà, faut que j'arrête un moment. Moi, il y a rien qui est chargé encore une fois, c'est dommage là. Je vois le néant, regardez le néant les amis, regardez les lignes qu'il y a sous terre. D'ailleurs, il y a une construction bizarre sous terre là-bas. Oh, attendez, je vais adopter un chien. Admin de base du serveur, il est parti. D'accord. Attends, Gérard, excuse-moi, je vais juste adopter un petit chien maintenant. Ouais, ça marche. Moi, je vais juste devant l'hôtel, là. Excellent, franchement. Le chien, il va polluer le serveur, mais je sais pas. Oh, mec, moi, je suis un invité. Là-bas, on a un petit temple. Temple de Jolin. Ah, super. Je profane pas si je rentre. Profaner un lieu saint. Ah, de la cube d'or. Évacuer. Là, ça fait un peu salon. Ouais, ouais, c'est original d'avoir mélangé l'or, les deux couleurs différentes là. Rouge et orange, sympa. Ça va bien que le bois, c'est un peu la couleur sombre comme ça. Ouais. Où êtes-vous? On est dans le bâtiment, Q. T'es rentre dans le bâtiment en face de toi là. Suis la direction du lapis, va vers l'or. D'accord, et là c'est quoi alors? Liste des métiers encore disponibles. Sont sur les murs. Donc, d'accord. Ah, vous êtes là. Disponible. Tueur à gage, les architectes. Les guides touristiques, excellent. Donc après, les fonctions de chaque métier sont expliquées sur le forum. Ouais, très bien. Et mon chien. J'ai bien envie de le tuer. Petit toutou. Oh. Allez, vas-y, saigne-le. Arrête, sinon fais-lui la peau. Oh, c'est moche ça. J'ai pas eu le temps de me mettre en gode. Non, mon chien. On va te rendre ton matos, on a tout récupéré sans faire exprès. Je garde la boussole. Bon, elle me servira à rien, mais bon, au moins je m'oriente. Sympa ce petit temple là. Donc l'hôtel des métiers, c'est parti, on te suit.
continuons vers notre destinée. J'ai le droit de distribuer des épées en diamant à tes joueurs. Ouais, c'est joli ce qu'on voit là-bas, là. C'est quoi ça? C'est un... Ce bâtiment, c'est le temple de l'Olympe. Celui vers lequel je me dirige, là? Oui. Oh, très bien. Oh, oui. Ouais, joli. Vous aimez bien la glowstone, hein, quand même, sur ce forum. Sur ce serveur, pardon. Il y a beaucoup, beaucoup de glowstone. Bon, tu me diras, c'est pratique la nuit, tu me diras au moins. Bye. C'est immense, cette bâtisse-là, putain. Là, pareil, c'est un mec tout seul qui s'est tapé ça. Celui-là, c'est le mien. Enfin, c'est moi qui ai fait ça. Mais... D'accord. Putain, t'as dû en passer du cube de Dieu pour faire un truc comme ça. C'est bon, merci. C'est parti, on suit. Et là, c'est pareil, il y a un système de téléportation dans cette ville pour aller vers une autre ville. Oui. Bah, à la limite, je vais vous TP dans une autre ville du fait que tous les TP sont pas encore tous mis en place. Ouais, ça marche. Donc là, on va vers où? On va aller à la ville volante. D'accord. Ah, c'est vraiment joli, hein, ce... La vue petit dragon est vraiment bien fait. Je vais aller me faire un cochon, je vais aller saigner un cochon en attendant. Moi je vais aller saigner Gérard. T'as pas une deuxième épée? Tiens, si j'ai mon inventaire qui est plein, tiens. Que je te saigne moi, parce que si tu me touches, je te dépouille, fais gaffe. Hein. Touche pas, hein, joue pas à ça, commence pas à jouer comme ça. Depuis tout à l'heure, j'ai essayé de te tuer déjà. Non, me fais pas mal, je pourrais te crever. Mais non, mais on peut pas, ça met Yorano qui me PVP à rien. Ouais. Oui, puisque c'est un serveur PVP. Donc on peut se faire voler, piller, tuer en dehors des vues. Oh, je viens voir, il y a un petit tunnel là qui a l'air bien sympathique. Ouais, c'est sympa ce petit tunnel là. Écoute, on continue, hein, on t'attend. Je vais vous TP. Pas de soucis, on est en train de visiter le long tunnel avec les... Regarde ce banc, moi je le trouve vraiment bien. Hop là. Alors, on est arrivé à destination. Et nous sommes où déjà alors? Arcadia, la ville volante. Arcadia, la ville volante, excellent, d'accord. Ah, moi j'en ai strictement aucun. Alors, ah oui, sympa. En mousse. Ça, bien sûr, l'île, j'imagine qu'elle est carrément faite à la main, non, j'imagine? Ah ouais, elles sont faites à la main. Donc, vous avez bien bossé, hein, tous. On comprend les 2 mois d'ancienneté de ce serveur. Ils sont passés dans cette... Même en 2 mois, dis donc, vous devez... ça devait carburer quand même en 2 mois. Oui, bah, avant la pub Minecraft.fr, il y avait déjà plusieurs villes de construite. Ouais, dis donc. C'est super joli, sympa. J'aime bien cette ville. C'est plus paisible pour moi, tu sais. Plus peinard, moins voyant que les autres. Celle-ci est assez chère, donc il y a peu d'habitants, donc ouais, c'est assez calme. C'est joli. Et donc, en dessous, c'est... Ah! Et voilà, il est tombé, tu vois, soit il pisse, soit il tombe. Voilà, il vient de tomber, là. Et après, à tomber, il va pisser, donc... En fait, là, je m'étais trop touché pour faire, mais... Là, il y a que des maisons. Merci. Oui, là, c'est que des maisons, rien de spécial. Et non, pas, j'ai réussi à tuer la ligne. Ah. C'est bien foutu, je pensais quand tu m'avais dit, moi, ville en l'air, je pensais que tu m'avais dit dans les nuages, au niveau des nuages, tu sais. Moi aussi. Ouais. Ah, un chien. Original. C'est un mélange de bûches comme ça aussi, c'est sympa. Moi j'aime beaucoup. En boulot, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Pourrais-tu enlever la brique qu'elle a remplacée? Encore un qui s'est cru dans une ville. c'est un peu chiant. Surtout que je lui en ai parlé, il l'a toujours pas fait. Non, mais c'est surtout qu'il y a que du bois autour de lui, quoi. Enfin, bref. Ouais. Sympa. Donc là, on est où? Mairie. On est à la mairie. D'accord. Ouais, là, par contre, faut vraiment pas tomber quand on n'est pas avec la ville. Ouais, là, on voit que c'est nouveau, non? C'est là, il y a... Non, elle est pas nouvelle, mais du fait que c'est la dernière ville de l'admin avant qu'elle parte... C'est tout frais. Ça n'a pas complètement été finalisé.
Non, elle est partie il y a un mois à peu près, mais... D'accord. C'est vrai qu'on n'ose pas trop y toucher, parce qu'on n'arriverait pas trop à faire les îles comme ça. D'accord. Par nostalgie, elle vous manque votre ami ou votre main. Ouais. C'est joli par ici, j'aime bien, moi. Enfin, je dis, non, les autres sont très jolis aussi, mais je veux dire, j'aime le calme que cette ville donne, tu sais. Je sais pas si je me suis bien exprimé, excuse-moi, mais... Et je pense que tu dois voir ce que je veux dire. En effet. Une balancelle, excellent. Oh oui, oh oui. Excellent. Tu montes avec moi. Bon, bah, à la limite, là, je vais vous taper à Borderland, la ville portuaire. D'accord, c'est parti. Voyageons interstellaire, à travers la galaxie, à travers les étoiles. Moi, je vais jeter dans l'eau avant qu'il me tape. D'accord, je vais attendre que ça charge un peu, impeccable. La ville portuaire, d'accord, là ça sent la neige, ça sent le sapin là, non bientôt. Ou c'est vous qui les avez mis là, les sapins? Non, ça c'est nous, je pense. C'est sympa cette ville aussi, j'aime bien, un flanc d'eau comme ça. Ça fait bizarre le sapin sur un grand truc de cercle là-bas. Tu vois, il y a un truc qui apparaît là-haut, disons, c'est gigantesque. C'est la Piunta, donc La Piunta. Pour ceux qui connaissent les Ghibli. Ouais. Voilà, ça vient. Wow. Ouais. Le château dans le ciel. J'aime bien cette ville aussi, là, elle est super. Oh, le château dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a aussi? Très joli. Mais bon, il vaut pas Princesse Mononoke. J'ai peur dans mon élève. C'est super bien fait, franchement, la boule là en haut. Ouais. J'ai une question. Oui. Le chemin de Minecraft, voilà. Est-ce qu'il est utilisable en ce moment? Non, mais je peux vous les poser. Ouais, c'est parce que c'est ce que je me suis en train de me dire, parce que je vois qu'il y a plein de rail boosters et tout, et qui sont pas activés. Ça va être. Oui, c'est parce que. A priori, en fait, c'est la maison de joueur normalement. Ah ouais. Qui ne vient plus. Donc, on va sûrement le mettre pour un concours. Okay. C'est une maison, ça, en fait. Mais voilà, il s'est dit qu'il allait habiter dans le château, dans un château dans le ciel. Waouh! Ouais, ben. Ouais, on a une super vue de là. Oula, je me casse pas la gueule quand même, parce que là je vais crever. J'aimerais bien qu'on ose me dire que c'est fait sans guise, ça. En fait, c'est importé d'une autre map. Ah, c'est importé d'une autre map? Ah. Oui. Bon, il ressemble magnifique. Ah ouais, c'est. Ah, c'est bien foutu. D'accord, sympa, intéressant. Et là, ça descend aux étages. Ah ouais, waouh. Sympa. Cube de métal, glowstone, petite cascade qui doit faire tous les étages, j'imagine, non? Si je la prends. Non, ça s'arrête là. D'accord. Il y a Fakiou qui va encore pisser partout. C'est bon, là, j'ai fait dans le coin, donc... T'as marqué ton territoire. Voilà. J'ai posé ma Warp 2. Sympa. Ouais, j'aime bien ça. C'est... La salle au trésor, là, non? Il manque quelque chose, il manque un artefact, là. Je me souviens pas avoir vu ça dans le film. Ouais. Il coûte cher, en tout cas, à construire celui-là à la main, avec tous les cubes de métal qu'il y a. Ouais. Waouh. Il y a toujours plus de monster aussi. Ouais, tu m'étonnes. On va voir la ville plutôt, parce qu'à la base on est censé aller voir la ouais, ville. Ouais, c'est parti, ouais. Je vous suis, moi. Hop là. Je vais faire un petit plongeon, moi. Ça me tente trop, là. Wouhou. Moi je vais aller faire un petit tour sur le radeau là que je vois. On dirait, tu sais ce qu'on. Tu sais à quoi ça me fait rappeler la boule là-haut? Ça me fait rappeler à l'étoile noire. Ah. Oh génial! Oh fantastique! Bon, je viens d'avoir un bug. Alors, oh. Bon bah écoutez les amis, moi je vais pas revenir tout de suite dans le jeu. Puisque je viens d'avoir un out of memory. Ça sert à quoi le petit bouton là? C'est pour faire joli?
Non, c'est ouais. Autodestruction. Destruction de la map, active par maman. Attention à tous les habitants, vous avez 5 secondes pour quitter le serveur. Ça, ce serait juste énorme, un message comme ça. Ah merde, par contre, là, on peut pas remonter par la chiotte. Je vais passer par là, moi, je fais le tour. 5 secondes avant l'autodé. Tu vas voir tous les gars courir, c'est ah, je veux partir. Map apocalypse. Tu vois la terre qui commence à se fendre. Ouais, tu m'étonnes. Je te suis. Alors, là, c'est quoi Hôtel c'est... de Borderland. Oui, l'hôtel. Ici, bah, les gens ils peuvent payer pour quelques dollars une chambre et pour pouvoir habiter en attendant de s'acheter une parcelle. D'accord, excellent. Payer, c'est combien le loyer là pour dormir un coup 15 dollars la semaine IRL. 15 dollars la semaine IRL. D'accord. Sachant qu'on commence avec 30 dollars. C'est bien, ça divise le stack en deux. Ce serait possible d'être destiné de se faire un petit revenu avant, en attendant. Ouais. Et puis c'est pas très cher la nuit, tu devrais même mettre à 30. Tu devrais à 35, tu vois. On te suit. Ah, tu peux ouvrir les coffres dans les avec une plaque de pression. Moi j'ai essayé, j'ai pas pu tout à l'heure. Et là ça me met du temps par permission. Mais oui je sais, j'ai un très bon accent. Non, ouvrir c'est juste de la déco, j'aurais dit. You don't have the permission to open that in this area. Regarde, pareil, essaie de me taper, tu vas voir, ça va. Ouais, y a pas de PVP dans les villes, ça. Ça permet de se reposer et d'être en sécurité. Sympa. Dommage. Aïe. Non. Non. D'accord, là on est où? Une petite trappe. Ah, c'est la ville sous-marine. Intéressant. Ah, génial. J'avais pas vu le... Excellent. Waouh. Bon bah moi je me lance. On y va? On rentre? Je n'arrive pas à être... Ouais. C'est parti. Vas-y, Q. Ah. Oh, très belle vue quand tu... Ouais, c'est super joli. Wow. Donc là, je suppose qu'il suffit de casser un cube. Et là, c'est le drame. Oh, il a dû protéger sa construction, j'imagine. Oui, c'est protégé. Par contre, ça fait... Waouh. Pour se repérer, c'est hyper dur quand même. Ouais, c'est faut 3 plans en main. Ah, c'est sympa, c'est original. Donc ici, on a accès à des petites parcelles de 6000 dollars. D'accord. Je vois le délire que vous avez voulu. Ouais, excellent. 6000. Ça fait pas mal quand même. Si vous commencez avec 30. Petite parcelle de 6000 dollars. Donc les gens peuvent habiter ici. Là, c'est hyper cher par contre là. Ouais, c'est la dernière, c'est la plus chère. Waouh, 6000 dollars de Dieu, il faut être sur le serveur depuis au moins 2 mois, quoi. Ou pas, même pas même. Après, il y a d'autres parcelles, mais qui sont géantes, donc qui sont à 20 000 dollars. Elles sont où? Mais plus dispo, mais c'est des dômes, des grands dômes, donc à la limite. Celui-là vous a coûté très cher à construire aussi, j'imagine. Ouais, enfin, très cher ouais. En kiff, je pense. Ouais, tu m'étonnes. Tu vois la mairie. La seule question que je me pose, c'est tu veux vraiment aller chercher tout ça. Ah ouais, la mairie, j'avais pas vu. Wow, d'accord. En fait, je suis hôtesse. Il est toujours derrière sa réception. Ouais, vous avez bien dû galérer pour construire ça. Ouais. En plus. Les hommes étaient à l'enfer. Ouais, tu m'étonnes, j'imagine. Ça fait vraiment fouillis pour les yeux, en plus, c'est voulu, non, j'imagine, cet aspect un peu cafouillage. Ouais. En fait, pas du tout, et demain, tu vas voir, il va tout changer. Il va Waouh, petite ferme bambou, hop là. Faut monter, je sais pas où tu es. T'es où, t'es en bas? Moi, je suis monté. Donc ça, c'est des maisons de joueurs qui ont acheté ça.
C'est bizarre, les coffres. D'accord, sympa. Petite maison, des coffres partout, tout ce qu'il faut, quoi. Deux ateliers, un petit four, deux petits fours, tranquille, quoi. Toi, en coffre, je ne suis pas fan. Ouais, c'est pas moche, on va dire, ça va, quoi. Enfin, ça, ça fait des demi-dalles, tu sais, en... Ouais, c'est enfin, bizarre. Un peu plus coloré que du bois, on va dire, c'est sûr, mais... Et comment vous avez procédé pour construire ça? Parce que sous l'eau, j'imagine, vous avez mis de la dirt et vous avez rempilé par de la glace derrière. On avait fait un toit géant au-dessus pour pas avoir l'eau. Ouais. Et après, on a construit nos dômes, etc. Et on a enlevé le plafond. D'accord, ok, ouais, je vois le délire, d'accord. Ok. Donc là, c'est chez un joueur. Là où on vient de visiter. Pardon? Ce qu'on vient de visiter, c'est chez un joueur. Ouais. Ok. Sympa, donc là, à la limite, on n'a plus vraiment de chine à visiter. Je peux vous montrer bah, le labo de vol de poule qui a fait un truc assez impressionnant. Je vais pas pouvoir vous le faire visiter en détail du fait de sa complexité et le fait que je m'y perds. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je vais vous faire visiter en gros ce que je retrouve. Mal galéré quoi, c'est vraiment... D'accord. Moi quand j'ai fini, je me suis dit c'est quelque chose que je recommence pas. Oh ouais, je vois le délire. On va faire un petit jumpcraft à la vite fait. Jumpcraft? Tu vas nous faire sauter pour monter en haut là, non? On peut monter, mais c'est pas vraiment en fait son labo, ça c'est sa petite maison. D'accord. Bah écoute, c'est okay. Parti, je te suis. Je sais pas où tu es, mais je te suis. Ah, t'es là-bas. Je suis monté. Non, t'es pas là-bas, je suis pas où. C'est bizarre. Putain, sa maison elle est dans un arbre. Moi je veux bien monter voir, ça te dérange pas. Ouais, bah, l'échelle est pas ici. J'arrive. Ça m'intéresse, moi j'aime bien tout ce qui est maison. J'aime bien regarder. Ouais. Alors, bienvenue chez. Ah, Amatai. Tu es son chien. D'accord, carrément dans les arbres, d'accord. Et sa maison, elle lui a coûté combien? Enfin, la passerelle, je veux dire. Elle a été gratuite puisqu'il l'a fait en dehors d'une nuit. Okay. Et du fait que on le considère presque autant qu'un admin. Alors c'est parti, deuxième étage, puis, ouais, bibliothèque, comme ça c'est sympa dans les arbres, hein, je trouve. Petite piscine, petit jacuzzi. Ah. Il va vraiment faire visiter son labo, on fera peut-être une vidéo pour ça. Alors il m'a dit qu'il cramait des mobs là-dedans, qu'il assassinait des mobs méchamment là-dedans, dans son labo. Ouais. Le psychopathe. T'es où, Q? Je suis mort. Comme ça, c'est fait. Merci. Donc là, à la limite, je vais vous faire visiter en gros et puis... Ouais, ça marche. Je vais vous faire visiter. Ouais, ça marche, pas de soucis, je te suis. On te suit. Ah, ouais, faut sauter dans l'eau, c'est ça? Ouais, vous pouvez sauter sur le côté, il y a de l'eau. Hein. En bas. Moi j'ai pas compris où il faut passer en fait. Moi non plus. Je remonte. Ici il y a une petite trappe dans les bambous. Oula. Ah ouais, ok. Ah oui, d'accord. Ouah, excellent, d'accord. Ah, il a même mis un double coffre. Il a même mis un double coffre dans ses bambous. Descendons dans les entrailles de la terre. Tu peux descendre sur le côté, il y a de la flotte en bas. Ah ouais. Oh ouais, terrible, d'accord. Ah oui, quand même. Donc c'est un constructeur, voilà quoi. C'est le mec qui rigole pas avec tous ses coffres. Là, c'est parti quoi. Il va te faire de la pierre lisse à fond là. Bah là, je vais pas vous y emmener. À moins que vous vouliez mourir d'une façon. Allez, moi je suis. De façon atroce. Oh non, sympa. Il se passe rien. Oui, il a pas rechargé son piège. Ah, okay. Générateur d'obsidienne. Ouais, il est bien équipé quoi. Secteur 2. Oui, puisque sa base, son labo se divise en plusieurs parties. D'accord. Ouais, c'est vraiment le psychopathe. Sympa. Okay. Il a activé le PVP. Ça marche pas. Il faut appuyer sur le bouton. J'ai mal visé. Hop là. Merci.
petit balade en Minecart. Ici, c'est son premier piège à mob. D'accord. Ça va plus m'intéresser. Là, j'ai un petit fail, les amis. Excusez-moi, 2 minutes. Voilà, j'étais carrément bloqué dans le néant. Là, je voyais plus rien. Alors, excusez-nous, c'est l'embrouille et c'est le gros fail à chaque fois. De façon qu'on est 3 sur un serveur, c'est le fail du Minecart. Ça, j'arrive pas à le péter en plus. Voilà. Allez, vite. Ouais. Alors, visite du piège à mob, c'est parti, petite visite interactive. Merci. Est-ce qu'on voit le circuit en redstone qu'il a mis, s'il en a utilisé? Il a utilisé beaucoup de redstone. Pas spécialement pour ce piège, je crois pas, mais pour sa base, pour son labo en général, c'est un fou de redstone. Mmh. D'accord. On voit, on n'a pas moyen de voir ses circuits. Allez. Si, je vais pas vous faire une visite. Allez, crevez les charognes. Ah, excusez-moi, je vais vous suivre. Merde, je crois que vous êtes passé. Il y a un petit escalier ici. Ah oui, ben, ouais. J'ai pas vu. Oula. Qu'est-ce que c'est ça? Oula, attends, il y a plein de... Alors, ici, attendez, mettez-vous, éloignez-vous un peu. Ouais, vas-y. Parce qu'ici aussi c'est un piège, sa base est truffée de pièges. Normalement quand on clique. Oh voilà putain, et voilà ce qu'il fallait pas faire. J'ai compris. Putain, désolé. Désolé, je fais une bêtise. Donc pour ça, il y a des petites astuces. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Ah d'accord, ouais. J'ai pas trop compris. Ah oui, les flèches sont sorties à travers la lave là en face, quoi, d'accord, je comprends. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, en fait j'ai eu un bug qui... Bah, j'ai marché sur un truc et puis il y a plein de flèches qui sont sorties à travers le rectangle de lave que tu vois en face de moi là. C'est dans cette direction là-bas. Okay. D'accord. Hop, on va arriver. Hop, merci. Yep, non pas yep. Attends, je suis sûr. Alors secteur 4 et 5, mais c'est immense son truc, c'est un labyrinthe quoi. Exemple de circuit. Justement. Vous pouvez pas mettre une plaque de pression. Passage à sens unique, parfois mortel. Évidemment, je me suis fail, je suis full. Vas-y, entre. Tiens, je tiens la porte. Alors, secteur 4 et 5, exemple de circuit. Passage à sens unique et parfois mortel. Je vais aller voir l'exemple de circuit. Ouais. Après, à la limite, je vais pas dévoiler les pièges, donc je vous ferai des TP. Ouais, non, c'est clair. Salle des machines, oh trop bien. Salle des machines. Ça c'est quoi alors? Ah ouais, c'est le truc où tu t'es fait, t'as fait te faire avoir. Dispenseur, allez c'est vide. Ah ouais, j'ai compris, c'est quand même pas mal débrouillé là pour son truc là. J'aimerais bien le... Circuit pour dispenseur à flèche, d'accord. Et là-dedans, il fait des essais, quoi. Il teste des trucs. Non, pas spécialement ici. Là, c'est le dispenser qu'on vient de voir. Ouais. Ouais, il explique comment il a fait ses trucs. Ouais. Et ben. Vraiment ouais, super. Ouais. Hein. Hop, on peut. J'aimerais bien parler avec lui. Je sais pas où tu es. Je t'ai perdu. T'es là, d'accord. D'accord, ouais, bien, merci. Petite ferme à cactus automatisée. Ouais. Sympa. Et ici, il y a une petite ferme à champignons. Ouais. À champignons. Alors, où est le bouton? Ah oui, excellent. Ah, tu vas parsemer d'eau, ça va récolter toutes les, tous les champignons. Waouh, ouais. Wow, excellent. Et ils vont arriver à la fin là-bas. Ah ouais, le délire. Ah ouais, la flotte tombe de là-haut, en fait. Attends, on va regarder le mécanisme. Le piston qui va pousser. Qui fait quoi? Qui pousse un verre? Non, le piston se retombe de l'autre côté. Enfin, se ferme et l'eau peut couler. Libère l'eau, d'accord. L'eau tombe dessous et puis ça descend sous 3 canaux différents qui emmènent les champignons jusqu'en bas. Sympa, vraiment sympa. Et à la fin, on peut récolter les champignons. Ah là, tu m'étonnes, t'as une sacrée récolte d'un coup là. Ouais.
Ça arrive là, ok. Et lui, il fait ça en cadeau aux visiteurs. Comme ça, ils ont leur petit champi. Super, hein, franchement. Après, les vend, je suppose, tous ces champignons. Non, lui, il les donne. Enfin, il les donne aux visiteurs. Quand il fait visite à sa base, il fait. Je sens son gratin. Sorti, c'est par là. Alors. Faut que tu remontes, remonte. T'es descendu. Voilà, juste là, dans l'angle. Là. Je sais pas si je suis passé, j'ai bugué là. Non, je suis pas passé. Vas-y. Voilà. Alors, là, exemple de circuit, ça on l'a fait. Donc là, c'est 4 et 5. Non, non, viens, on le suit. Comment ça s'appelait ça? Oh putain, y'a quoi là-dedans? Alors, un peu trop pour être honnête, non? Oui, oui, c'est vrai. Poubelle, d'accord. C'est quoi cette pièce? C'est une salle avec une énigme, donc je vais encore taper comme ça, à la limite il vous montrera, pour pas que tout le monde voit. Oui, bête. Oui, non, non, c'est clair, dévoile pas tout, tu sais. Merci. Piston, chien, canon, dis donc, ouais. Bien installé, dis donc. Hein. Ici, c'est un truc qu'il a passé 3 jours à faire pour la redstone. Ah, j'arrive. Alors, un homme prudent. Ne pisse pas contre le vent, tiens. Il a pensé à toi, sans le vouloir. Ok, il faut trouver... Quand on appuie sur ce bouton, il y a... Ah oui, d'accord. Et c'est une tête de creeper, le délire. Au début, c'est une tête de zombie, c'est une tête de creeper. Alors vas-y, tu peux m'appuyer si ça te dérange. Non, mais je vais pas faire ça. C'est juste appuyer sur le bouton qui peut changer le truc. Je vois pas. Excellent, et c'est une tête de zombie qui arrive. Ah non, c'est un slim maintenant. Excellent. Ouais, si j'appuie, ça marche à l'heure. Et là, c'est un squelette, j'imagine. Ouais. Eh, c'est super bien trouvé, c'est marrant ça. Là ça va être une araignée. Ça va être un zombie. Ça fait la tête de l'araignée. Non. Donc après, selon la bonne tête, ça déverrouille ça. D'accord. Et ici, c'est son piège à mob. Je vais vous faire monter des... Et c'est une très bonne récolte. Donc on va monter ici. Attends, je vais juste prendre la vue de là, et puis j'arrive. Regardez ça, waouh. Yeah. Moi, je commence à monter. Ouais, c'est un demi-dôme, quoi. Waouh. Ouais. J'arrive. Hop là, pardon. J'espère qu'il sera pas trop déçu de nous avoir loupé. Pas de pas avoir été là. Oh, y'a un creeper qui me regarde, qui est en train de remonter le grand jeu. Il va se faire griller et ça, on récupère les loot. Ah ouais. Par exemple, carrément. Là, on va des loot. J'ai entendu un creeper pas loin là. Oh ouais, c'est bien. Il est au-dessus. Ici, on peut voir une quantité de loot quand même pas mal. Ouh, tu m'étonnes, ouais. Waouh. Enclos à squelette. Ah. Enclos à creeper. Tu m'étonnes que ça lui a pris du temps. C'est clair que là. Mais si je te laisse, c'est pour toi ça. Et là, il y a écrit un truc encore là. Darius Artis, c'est marqué. HK, d'accord. C'est ça? Là en face, il y a. Tout le long du mur, il y a des lettres. Excellent. Vario. Et je vais vous trouver le bouton. Normalement, on peut éclairer la salle. Darius Artis. D'accord. Les pistons qui libèrent de la glowstone. Voilà. Et Marius. Du coup, il n'y a plus de spawn de map. D'accord. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Mario Sarti. Qu'est-ce que ça fait si j'appuie là? Ça active les rails. Les rails. Comme ça, des rails. Ah oui. J'ai pas vu. Merde, je sais pas où je suis moi. Ah si. Alors, je sais pas du tout où est-ce qu'il a caché ça. Oh, c'est pas grave, tu prends pas la tête. Va. Oh.
Gérard, viens voir. Je sais pas où tu es, t'es là-bas, j'arrive. Ouais, je les ai vus, les poulpes. Ah, je vais en tuer quelques-uns. Maudite couleur noire, ça. T'en cherches il partout de la couleur noire. Ouais, personnel. Ouais, tu peux parler par expérience en plus, toi, Gérard. Ah ouais, la couleur noire, c'est galère. Je sais pas si tu te souviens. Ah si, c'est clair. Hop, voilà. Tiens, je te les donne parce que ça me servira pas, moi. Moi non plus. Tu sais, j'ai un autre serveur, en fait. Ah mince, Hop. Non, c'est vraiment bien, hein, franchement. Mais c'est clair qu'il a dû se casser la tête pour construire ça. Il a fait aussi un piège à slime qui lui rapporte pas mal de slime ball. Et il a aussi fait un truc pour pouvoir acheter des slimes. Et du coup, les slimes, on peut acheter le slime et il nous suit, etc. D'accord. C'est un petit animal de compagnie. Excellent. Il a fait un plugin ou... Non, c'est un... c'est fait avec son piège, etc. C'est débrouillé pour qu'il puisse nous suivre. D'accord, excellent. Faudra que je le vois quand même. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait pas mal de tours là. Ouais. Bon bah du coup ouais, on arrive à la fin. Bah écoute, toi tu cherches du monde sur ton serveur? T'as des places à recruter? Oui, on accepte toute candidature, enfin toute candidature, à partir de 14 ans. D'accord. Donc c'est quoi ton forum? Team VA avec le tiret au milieu de Team EVA du site.com. D'accord. Suffit de s'inscrire et de descendre dans la partie Minecraft et il se passe recrutement. De toute façon, vous cherchez un peu, hein, c'est. Ouais, voilà. Je finirai bien après. Suffit de faire une candide comme c'est marqué dans un topic. Et... voilà. Et après, vous pourrez venir acheter un slim de compagnie. Sur le serveur Various Artist, exactement. Vous faire donner des champignons, ou trouver des calamars sur un canapé. Sinon, vous allez avoir une réponse assez vite, en général dans l'heure ou même dans les 10 minutes. Voilà, ils attendent tellement de... C'est une équipe de modération assez présente. En général, il y a toujours un admin ou un modérateur de coup sur le serveur. D'accord, ben dis donc, vous avez un beau serveur quand même. Hein. Il y a eu pas mal de boulot de fait dessus. Merci, ouais. Merci à Vol de Poule, hein. Bon, moi il s'appelle comme ça sur ma chaîne, je me rappelle plus de son pseudo sur le serveur, mais merci à lui en tout cas, c'était bien sympathique, dommage qu'il soit pas là. Ouais, franchement, bah, moi en tout cas, je pense que je le recontacterai, enfin, hésite pas à me contacter si tu vois cette vidéo, ce qui ne m'étonnerait pas, Vol de Poule, pour qu'on parle un peu de ta redstone. C'est vrai que toi aussi, t'es un expert électricien et t'aimes bien ces choses-là, toi. Ouais, voilà. Bah écoutez les amis, c'était un peu inattendu cette petite visite de serveur, je m'en excuse d'avance, mais bon, on avait envie de se taper le puits délire, comme ça de venir, vu que Vol de Poule nous avait invité. Ouais, voilà, donc là je pense que vous en avez pour deux vidéos quand même. Hein. Ou trois, ça doit bien faire ouais, une bonne heure. Ouais. Donc voilà, merci à Bird Fang de nous avoir fait cette petite visite qui est inattendue. Hein. Bah écoute, merci à toi, venez nombreux sur son serveur, donc Various Artists, hein, je vous mettrai le site de son forum sous la vidéo comme d'habitude les amis, et puis pour ceux que ça intéresse, faites-moi le plaisir d'aller voir son forum, hein, de fouiller, de trifouiller, de chercher, de vous renseigner par vous-même, de vous inscrire ou pas, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, en tout cas c'est un très joli serveur hein, qui a du boulot dessus de fait, d'après ce que j'ai pu voir avec You, les gens sont super sympas ici et très accueillants, donc venez nombreux, et puis voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Même si vous voulez juste venir visiter, hein, vous aurez quand même le statut de visiteur. Hein. Je pense que l'IP doit être donné sur le site, non? Ça marche, bah écoute, moi on va quand même y aller, on va te laisser. Hein, Q Bird Find, je te souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée à vous deux de toute façon. Ouais. Bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée à vous deux aussi. Ça marche, et puis Q à une prochaine vidéo. Bah ouais. Allez, bonne soirée à tout le monde.